toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu blabla pour vous expliquer comment va se dérouler le mois de décembre. Est-ce qu'il va y avoir des vidéos de Noël, etc. etc. Donc comme vous le savez, j'ai déménagé il y a peu, donc désolé si vous entendez du bruit, il y a des personnes dans le couloir. J'ai déménagé il y a peu et du coup aujourd'hui on est le 23 novembre et je n'ai toujours pas fini de ranger mes cartons. Nous avons déménagé le 17 et 18 et j'ai toujours pas rangé mes cartons pour diverses raisons. Donc pour diverses raisons, tout simplement, j'ai la porte de la deuxième chambre qui est coincée, il y a tous les cartons dedans, donc je ne peux pas ranger. Mon père doit venir cet après-midi pour ouvrir tout ça. Donc au mois de décembre, il n'y aura pas de vidéo calendrier de l'Avent, tout simplement parce que j'en ai pas fait cette année. D'habitude, je me prends toujours l'avance en janvier, etc. pour faire des calendriers de l'Avent. Et là, cette année... comme je ne savais pas où j'allais être, si j'allais avoir, si financièrement j'allais pouvoir, etc. Je n'en ai pas fait. Maintenant, malheureusement, je regrette. Mais c'est comme ça. Voilà, il n'y aura pas de vidéo calendrier de l'Avent parce que j'en ai pas, tout simplement. Il n'y aura pas non plus de vidéo de Noël parce que avec le déménagement, j'ai eu aucun temps, en fait, pour faire tout ça. Et puis je n'avais aucune idée. Donc cette année, malheureusement, il n'y en aura pas. Les deux années précédentes, il y en avait. Mais là, du coup, désolée. Donc vous retrouvez, pas, ça ne sera pas sur ma chaîne. Et je pense que je ne ferai pas non plus de déco de Noël à l'appartement. Parce que on est déjà le 23 novembre. Sortir les décos de Noël pour 15 jours, c'est pas la peine. Puis je vais mettre ma déco permanente en place, donc ça sert à rien. Donc je ferai ça l'année prochaine. Mais je pense qu'au mois de janvier, je prévoirai un calendrier de l'Avent personnalisé. J'aime bien en réaliser moi-même, c'est sympa, etc. Puis vous avez toute une année pour le préparer, donc vous avez 11 mois pour le préparer, donc c'est quand même vous pouvez faire un bon petit budget sur plusieurs mois. Donc je pense que l'année prochaine, j'en prévoirai. Voilà. C'est ma seule déception de cette année, surtout de ne pas faire de calendrier de l'Avent. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il y aura des vidéos habituelles, des swaps, des produits terminés, etc. etc. Voilà, c'était une petite vidéo blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.